Le développement durable est la clé d'or pour résoudre les problèmes internationaux. C'est l'avis du président chinois Xi Jinping qui s'est adressé pour la première fois au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Xi Jinping a souligné que le développement durable est la meilleure façon de coopérer pour des intérêts communs dans le monde. Il a dit que l'initiative Ceinture et Route proposée par la Chine a été activement reprise par la communauté internationale car elle correspond parfaitement à l'agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable. Les parties impliquées ont décidé cette année que l'initiative sera de haute qualité, verte, sobre en carbone et soutenable. Partageant les mêmes valeurs, l'Union économique eurasienne russe coopérera avec la Ceinture et la Route pour promouvoir conjointement l'intégration économique régionale. Afin de développer d'une manière durable, il a demandé des efforts conjoints dans la création d'une économie mondiale ouverte, de sociétés inclusives et axées sur les personnes et d'une magnifique patrie. Xi Jinping a souligné que la Chine continuera de s'ouvrir davantage, de protéger le système commercial multilatéral et de faire avancer la coopération commerciale sur la base de l'égalité et du respect mutuel. Il a dit que la Chine est prête à partager ses réussites scientifiques les plus récentes, dont la technologie 5G, avec d'autres pays, promouvoir la communication et la coopération dans des domaines tels que la réduction de la pauvreté et la sécurité sociale, et s'unir pour faire face au changement climatique et à d'autres problèmes. Il a répété que la paix et le développement sont toujours les thèmes du monde. En tant qu'hôte, le président russe Vladimir Poutine a accusé certains pays occidentaux qui cherchent à étendre leur juridiction à l'ensemble du monde et a dénoncé la rhétorique de guerre et de sanctions commerciales. Il a cité les pressions de Washington sur le géant des technologies Huawei en disant que l'objectif des États-Unis n'est pas seulement de nuire à l'entreprise, mais de l'expulser du marché mondial. Lors de la session de questions-réponses, Xi Jinping a dit que les problèmes dans le processus de mondialisation doivent être réglés, mais que le système commercial multilatéral doit être maintenu. Les économies émergentes et les pays en développement ont besoin de plus de droits pour parler au sein des organisations multilatérales.